Vous projetez d'entrer en seconde générale. Sur des témoignages d'élèves, voilà un petit aperçu des attentes et des exigences en arrivant au lycée. Pendant cette année, il faudra penser à votre parcours d'orientation. Mettre en adéquation vos motivations, vos capacités avec les exigences des attendus du baccalauréat envisagé. La différence entre le collège et le lycée. Mais attention, il ne faudra pas tomber dans certains pièges. Le temps libre, il faudra savoir le gérer, travailler en groupe, s'avancer. Le téléphone portable, toléré dans les couloirs, il faudra obligatoirement l'éteindre pour rentrer en cours afin de rester attentif, concentré. Vous devenez responsable. Réussir en seconde passe par l'acquisition de bonnes habitudes, de travail, d'organisation. Et cela commence dès la troisième. Il y a les bonnes habitudes de travail, mais il y a aussi les bonnes conditions de travail. Pour certains qui habitent loin, envisager d'intégrer l'internat peut être une bonne solution. Votre entrée en seconde se réfléchit et se construit donc aujourd'hui pour réussir demain.